Jeudi 21 septembre, le Petit Palais à Paris consacre une exposition au pastel, ce bâtonnet de couleurs longtemps délaissé par les artistes, avant de connaître ses heures de gloire à la fin du 19e. L'exposition dévoile des œuvres de Degas ou d'Odilon Redon rarissimes. C'est un reportage de Julien Velter. Jugé secondaire par rapport à la peinture, en raison de son usage enfantin de bâtonnets de pigments broyés, le pastel pâtit aussi de sa sensibilité à la lumière et au transport, qui en limite son exposition. Celle du Petit Palais se propose de réhabiliter cet art singulier. Contrairement aux idées reçues, finalement, le médium du pastel est assez résistant dans le temps. Mais si nous contrôlons l'humidité et la lumière, le pastel peut être parfois bien plus résistant dans le temps que la peinture à l'huile, qui est recouverte parfois de plusieurs couches de vernis, et ces vernis peuvent s'altérer, jaunir, alors que le pastel, c'est du pigment à l'état pur, pratiquement, avec bien sûr des fixatifs qui le protègent. La peinture, c'est aussi beaucoup plus long à mettre en œuvre. Il y a des temps de séchage. Le pastel a cet avantage d'avoir un rendu mat, des couleurs, et un rendu très éclatant. La carnation qui est vraiment permis par ce velouté et de la poudre du pastel qu'on peut voir dans certains pastels, notamment de Degas, de Berthe Morisot, d'Odilon Redon. Des scènes naturalistes aux portraits mondains et des rêveries symbolistes aux décors religieux ou civils jusqu'à l'art contemporain, le pastel est à la croisée du dessin et de la peinture. Son exposition rappelle sa capacité à produire d'étonnants effets chromatiques, la subtilité des étoffes et l'instantanéité d'un regard au cours du 19e siècle qui voit son essor. Au 18e siècle, les pastellistes se concentraient sur le portrait. La particularité de ce second âge d'or du pastel, le renouveau du pastel, c'est que dans la seconde moitié du 19e siècle, la diversité iconographique et stylistique est bien plus grande. Les artistes combinent aussi différentes techniques. Le pastel a de la gouache, a ce système avec ce réseau de hachures, de zébrures. Ce médium est un bon passeur, je dirais, de cette modernité en cours à la charnière des 19e et 20e siècles, aussi bien impressionniste que symboliste. De Degas à Redon, le pastel s'affranchit du réalisme pour se laisser aller aux seules joies de la couleur qui l'emporte sur les sujets représentés. De quoi restaurer sa place dans le monde des arts.